Je sais pas ce qui a fait changer son avis, mais en tout cas, ça fait plaisir pour la Ligue 1, ça fait plaisir pour le football français. Et on espère profiter de ses performances encore jusqu'en 2025. Normalement, c'est ça en France, quoi. Il a raison, c'est un Parisien, donc il reste dans sa traçabilité, on va dire. Il est né à Bondy, puis il a joué en Ile-de-France, donc ça reste 100% Parisien. Et il va ramener la Ligue des Champions. Parce que c'est un bondinois. Bah, c'est une joie pour tout le monde, hein. Pour tous les supporters du Paris Saint-Germain et pour tout le club de Bondy, toute la ville de Bondy. Hein. C'est sûr que l'argent entre en compte, mais je pense qu'il n'y a pas que ça, c'est le choix du cœur aussi. Paris, c'est sa ville. Il vient d'ici, il a toute sa famille, il a des attaches, ses amis d'enfance. C'est pour ça que je pense que ça a pesé dans la balance.